Salut à tous. Alors sur les vivas de la foule, la volonté de tout le monde, et puis la mienne en premier, hein, parce que ça a à peu près duré 2 heures avant que ça soit transformé. J'ai transformé la 124018 en brushless. Ouais monsieur, mais gros warning, si tu n'as pas de quoi chauffer tes vis de manière efficace, je parle pas de briquet, je parle pas de fer à souder, je parle de but à gaz, de gaz directement pendant plusieurs minutes pour enlever tout l'excès de frein filet qui est mis dans la fixation du moteur, la fixation du moteur sur le châssis, la fixation du moteur dans le support moteur, le pignon du moteur. Ce n'est pas la peine d'envisager de faire ça proprement. La qualité des visseries est quand même pas terrible. Si en plus tu n'as pas forcément de quoi adapter entre guillemets ta taille de vis au bon taille pour avoir une bonne force, c'est tu as vite foiré la vis et après tu vas te retrouver avec la Dremel à devoir visser. Donc ça c'est impératif, gros warning. Si tu n'as pas de quoi chauffer tes vis de manière efficace, donc rien n'est plus efficace que ça. Donc juste là, c'est un truc pour faire la crème brûlée, hein. Mais il existe plein sur AliExpress, vous regardez, vous mettez gaz, torche, et vous avez plein de choses comme ça qui vous servent et qui sont indispensables, en tout cas, pour enlever le frein filet, la quantité incroyable de frein filet qui est mise sur les vis qui sont dans le métal, plus exactement dans l'alu. Et je parle bien de plusieurs minutes. Vous y allez, une minute entière, tu prends ton tournevis et là, tu n'y vas pas, la visseuse. Là, tu y vas quand même à la main, avec un couple. Tu y vas doucement. Si elle ne bouge pas, tu n'insistes pas, tu risques de foirer ta vis et tu risques de devenir dingue à vouloir enlever ton moteur ou ton support moteur. Donc, allez-y tranquillement, chauffez, jusqu'à ce qu'il y ait de la fumée et une odeur de frein filet brûlé. Quand ça fume et que ça sent mauvais, je vous laisse, voilà. Quand ça fume et que ça sent mauvais, c'est le moment de dévisser. Donc, à partir de là, vous pouvez commencer à envisager à dévisser votre truc. Mais pas avant, et ça peut prendre plusieurs minutes, même en flamme directe là-dessus. D'accord? Mais on a réussi. On a sorti tout le combo brushless proprement. Pour ceux qui auraient foiré cette opération. Il existe sur AliExpress, eBay, des supports moteurs neufs pour la 14-4001 ou même pour celle-ci ou pour sa copine en Brésil qui coûte 5 euros. Et vous avez même, pour ceux qui ont foiré la vis du pignon moteur, il existe même le pignon moteur de 27. Parce que une des choses qui est un peu dommage avec celle-ci, c'est que tu n'as pas un support réglable pour l'entre-dents. Je ne vais pas te montrer, ça ne sert à rien parce qu'il y a tellement de bordel là-dedans maintenant. Il faudrait tout démonter, bref. Donc, tout ce que je dis, c'est hyper important si vous voulez le faire. Donc, soit vous le faites calmement avec ça, vous arrivez à récupérer le pignon moteur et le support moteur sans avoir tout coupé, vous être énervé et avoir fait des cris d'orfraie. Ou alors, vous commandez direct un nouveau support, un nouveau pignon moteur de 27. Donc c'est un module de 0,7, c'est pas du 0,8, c'est pas du 0,6, je sais pas pourquoi savoir, c'est du 0,7. Donc tu gardes celui-ci pour que ça aille avec la couronne de celui-là. Si tu mets du 0,8 ou tu mets du 0,6, ça marchera pas, ça va faire... C'est pour ça aussi que j'avais des points durs, parce que je ne m'étais pas rendu compte. Merci à un abonné qui me l'a signalé. Donc un des problèmes du support moteur d'origine, c'est qu'il n'est pas réglable pour l'entre-dents. Donc ça veut dire que tu es bloqué avec ce... gearing ratio de ce... Excusez-moi, il faut que je le fasse en français parce que je me suis fait anglais la dernière fois avec ce rapport de transmission donc de 27 fois la couronne d'origine. Donc, j'y suis allé en brushless tranquille. Enfin, ce que j'espérais. Donc, un 540 globalement, manivelé déjà plusieurs fois, c'est entre deux... C'est l'équivalent, on va dire, voilà, de 2000 à 2500 carrés. Donc moi, j'ai pris... Le combo brushless que j'avais en stock, qui fait pas trop mal, est un Surpass 3650 2000 kV. D'accord? Donc,
il a les fixations, tout rentre parfaitement bien en lieu et place du 540 brushed. Et ça là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est le bon diamètre d'arbre pour le pignon. Il n'y a aucun problème. Notre dent, il est bon ensuite quand il est réglé. Il n'y a pas de souci avec le pignon. Encore une fois, le pignon d'origine, gardez-le. Sinon, vous allez bousiller la couronne centrale. Ensuite, j'ai mis un servo connect, un vario connect 50 ampères. Donc c'est no d'autre qu'un Nobiwing 2 à 3S 50 ampères, c'est la même chose. Il y a même la carte de prop qui est Nobiwing, hein, voilà. T'as vu ça? J'ai du connect. Donc il fonctionne très bien. Je l'avais sur le granit, ce combo-là, ça fonctionne très bien. Donc ça poussait un granit de 3 kg, donc la petite machine de 1 kg, vous avez, il rigole. Ensuite, j'ai changé le cerveau parce que je vous le rappelle, on est sur un variateur qui est 2 en 1. Donc, quand vous changez et que vous voulez mettre un brushless, il faut tout changer. Il faut avoir un nouveau variateur. Là, tu es en 5 fils, donc tu achètes un cerveau qui est de la bonne. Qui est de la bonne qui est bon du bon diamètre. Et donc ça c'est chez nos amis, pardon, c'est nos amis de chez Hobby King. C'est un Corona attends, est-ce que j'ai encore la boîtouille? J'ai plus la boîtouille. Bon, c'est un Corona. C'est le même que j'avais mis dans la 14-4001. Je vais mettre le lien en description. Si je ne le mets pas, vous m'engueulez comme du poisson pourri. Donc, je vous mettrai le lien du cerveau qui va place pour place. Il n'y a pas besoin de modifier. Le support, c'est facile. Il y a même la tête de cerveau qui est compatible dessus. Donc, il y a absolument, c'est du trait pour trait. Il n'y a aucun problème. Ça va bien. Ensuite, donc on a le brushless 2000 kV 3650, on a le vario qui est juste collé dessus, là-dessus, on a le nouveau cerveau, et là, derrière la lipo, on a mis le récepteur, forcément, de la radio, donc la flasque GT5, qu'ils utilisent sur tous mes radios. Il n'y a pas de boîte radio. Donc moi, quand j'ai comme ça, quand il n'y a pas de boîte radio, je m'embête pas. Je prends une mousse, donc récupérée ici. Je fais une belle épaisseur. Voilà, on va dire que je peux prendre cette section-là. Je viens la coller sur mon châssis et je viens enrober mon cerveau dans un sachet Ziploc d'assez grande taille, histoire de tout contenir aussi bien, par exemple, aussi bien le cerveau que les fils. Je fais ça, je mets les fils au maximum dedans, je tends bien, je risote, et une fois que j'ai ma mousse qui est collée, je traverse d'un riselant, je colle mon sachet sur cette mousse et je viens sécuriser le tout par mon riselant par le dessus, donc c'est à peu près étanche. C'est collé au fond du châssis et le cerveau est collé à la mousse avec un riselant et collé en plus sécurisé. Donc normalement ça bouge plus tout ça, hein. Donc j'ai aussi fait, et c'est pas mal fait du coup, la petite sortie d'antenne ici. Voilà, c'est à peu près invisible, ça se voit pas trop. Et voilà. Et j'ai une lipo 3S, parce que 2000 kV, on avait dit en 2S, vous allez avoir la vitesse peu ou prou, peut-être un peu moins, que la vitesse d'origine en charbon, avec une consommation moindre. N'oubliez surtout pas ça, le but du brushless, c'est pas de la satelliser non plus. C'est juste de moins consommer, de moins chauffer. Moi, j'aime pas les trucs qui consomment et qui chauffent. Donc là, je suis passé à mon brushless parce que j'avais ça. Ça m'a coûté 0 euro. Donc, c'est pas une question de budget. Pour ceux qui ont une question de budget, vous pouvez trouver des combos sur passe avec un 3650 dans les 2000 kV avec son petit variateur 60 A de 3S pour 35 euros sur AliExpress. Donc la voiture, 85. Le combo, 35, ça te fait une petite voiture brushless pour 120 euros, 115 euros, 110 euros, par là, 110, 120 euros selon les prix, les promotions, machin. Donc franchement, c'est pas trop mal, ça rentrera dedans, c'est la bonne taille. Vous voyez, il n'y a rien de trop, vous avez vu, même si c'est la version allongée, il n'y a rien de trop pour tout rentrer là-dedans. Donc, avec ce 2000 kV en 2S, on sera peu ou prou la vitesse
et on fera, je vous ferai, je vais tout de suite après là, je vais vous faire la démonstration en 2S, puis en 3S. Donc le 3S, c'est aussi, j'ai profité d'avoir pris le cerveau Corona pour prendre la petite Lipo Zippy 1800 ampères-heure 25C en 3S qui rentre pile poil, c'est la même taille que la Lipo d'origine. Mes amis, voilà, pile poil. Donc ça rentre exactement à la place. Donc, avec ça commence à causer, faut être honnête. Si ce n'est que donc globalement, tout se passe bien quand on travaille sur cette conversion. Honnêtement, vous faites ça distinctement, tranquillement. Il n'y a pas de piège, il faut juste bien savoir où vous allez. Vous faites un peu de thermal management. Le seul truc qui me chagrine un tout petit peu, c'est que malgré le fait que j'ai que mes LED qui se branchent sur le récepteur ici d'origine, eh ben ça fonctionne pas. Je suis un peu déçu. Ouais, je suis un peu déçu. J'ai tout soudé, j'ai mis son truc et ça ne s'allume pas. Alors, je pense que c'est peut-être des LED qui sont. Je sais pas combien la coupure, le bec là-dedans. Donc, bon, c'est pas grave. Allez, autre chose également, parce que on a pris un peu plus de place que d'origine. Donc, j'ai dû en fait dévisser cette partie-là pour que, en fait, vous voyez que les fils du brushless ne soient pas gênés. Voilà, donc ça fait bon, ça fait un peu moins joli, hein, mais voilà, j'ai dû dévisser, entre guillemets. Et en 3S, je vais vous faire écouter la mélodie. Hop! Donc n'oubliez pas, toujours, toujours, d'avoir la radio, puis après la truc, la jus. Et donc en 3S, voilà ce que ça fait. Donc 2000 kV, 3S. Et là, par contre, on a un vrai frein avec ce variateur, on a un vrai frein progressif qui est vraiment sympathique. Qui est vraiment sympathique. Donc, on a aussi toutes les options qu'on a pu, on peut régler, voilà. Les surpasses, vous en avez un peu moins d'options dessus. Vous avez, parce que j'ai encore la carte de prog ici, c'est des cartes de prog de ce type-là. Oh, elle est complètement partout. De ce type-là, voilà. C'est des cartes de prog, de crob, des cartes de prog. De ce type là où tu peux régler le cutoff, le start mode, donc medium strong soft, le maximum de frein, donc ça c'est cool, le maximum de marche arrière, donc ça c'est cool aussi, et le neutre. Donc c'est vrai que tu as, voilà, tu as 4-5 modes qui sont quand même très importants, les plus importants, qui sont quand même pas trop mal quand vous, si vous passez en combo surface. Entre guillemets, ces combos surpasse, vous les trouvez aussi chez nos amis de chez Wartell. Plus cher, je ne sais pas combien ça vaut. Mais pour ceux qui sont pressés, je crois que Wartell les vend également. Donc le cerveau, c'est un 4 kg pour 900 g pignon métal. Il fait honnêtement super bien le taf. Maintenant, pour l'instant, je suis totalement d'origine. Tout est libre. On va regarder ce que ça dit. Et puis peut-être qu'on va déjà ouvrir les diffs pour voir ce qu'il y a dedans. De mémoire, c'est uniquement de la graisse. Donc, on va pas trop insister en 3S parce que sauf peur que ça fume. Mais on va sûrement y mettre une goutte d'huile pas trop épaisse pour l'arrière. Un peu plus épais à l'avant, genre 1000 derrière. Et peut-être la 2000 devant, voilà, histoire de faire un peu plus un effet short curse. Pour que ça tracte un peu plus devant et que ça bouge derrière. Donc ça, on verra selon les conditions. Donc voilà, le petit bijou en brushless 3S 2000 kV. Donc les choses importantes, et je le résume et je le répète, pas que vous me dites « Oui Nico, t'as pas tout dit, tu nous caches tout !» Si vous n'avez pas ça, ou ce genre d'engin, donc le gaz torche, le briquet à gaz là, vous ne faites pas ça, c'est impossible d'enlever proprement les vis. Si vous êtes énervé et que vous arrivez tant bien que mal à l'enlever, vous pouvez racheter pour quelques euros les supports et le pignon moteur si vous avez foiré les vis. D'accord. Deuxième chose, restez raisonnable sur les KV moteurs.
Si vous gardez ce support moteur, parce qu'il n'est pas réglable, on est obligé de rester avec le pignon d'origine. Pignon d'origine qui est en module 07, je le répète, qui n'est pas adaptable pour tout le monde, est un tour. Ensuite, et rester raisonnable sur les câbles, effectivement. Hein, on voit tous, enfin, je ne vais pas vous le faire, mais... World fastest, which is the fastest car, one man in the hour, 6000 kW, 3S, world best fastest. Bon, bref, faites gaffe, parce qu'effectivement, avec ces pignonneries, ce rapport de transmission, on a vite fait d'aller vite, mais on a aussi vite fait tout fumer. Donc voilà, là c'est, je vous allez voir, mais ça fait un bon 50-60, hein, faut pas se leurrer. Et puis là, comme il neige avec la route à mouiller, c'est un peu chaud quand même, ça. Donc il faut pas s'énerver hein, quand même. Faut être calme, zen, comme je le suis en ce moment. Et voilà. Donc maintenant, place, place au speedrun, pour vous montrer de quoi elle est capable, la petite lunette. Et speedrun 2S, speedrun 3S, comme ça vous allez voir la différence là-dessus. Et après vous, vous pouvez vous étalonner sur cette vitesse pour voir quelle est votre préférence, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc vous avez toujours la solution de rester en 2S, auquel cas, je, bah, on va dire 2000 kV, tu t'embêtes un peu, donc hein, tu peux monter à 3000, 3005, c'est bien, tu auras une vitesse qui est proche du 3S, mais tu vas quand même consommer. 3S, 2000 kV, on est franchement, je ne mettrai pas plus en vitesse, c'est déjà bien assez rapide, vous le verrez tout de suite. Allez, n'hésitez pas, vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas que vous avez dans la playlist Papa RC, vous avez la 14-4001 qui est la cousine et qui est démontée en profondeur pour vous montrer comment c'est foutu. Allez, test speedrun 2S 2000 kV. Pignon d'origine. Allez. km/h. Ah, tu vois, Le pif. C'est pas mal. Donc 40 km/h, donc normalement, la physique fait que en 3S, on doit être dans les 60. On voit ça tout de suite. Alors, on va se dépêcher parce qu'il pleut. Donc là, 3S, 2000 kV, pignon d'origine, hein, la même poutine. Objectif 60. Allez. Et eh ben tu vois, la physique ça dit bon, hein. 67 km/h. Voilà, 67 km/h en 3S, 2000 kV. On n'ira pas plus vite, de toute façon. Voilà, allez, à plus.